Hello à tous! Bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour continuer notre aventure sur Resident Evil 7, ou du moins les DLC. Petite info concernant demain, il nous manquera un joueur puisque monsieur Winter part au final demain matin parce que son bus, enfin. Le truc qui le concerne samedi a été décalé. Oui. Du coup, voilà. On est. Voilà. Du coup, je serai tout seul. Ah, pendant peut-être 2 semaines. Oui. Ah! Donc, du coup, pendant possiblement 2 semaines, il n'y aura pas d'avatar et il ne sera pas dispo Pour que ce soit. pour Apocalypse ou même quoi que ce soit, oui. À part peut-être en vocal de temps en temps. Même. En vocal de temps en temps, parce que je me discorde quand même, mais oui. Voilà. Bien évidemment. Du coup, j'ai pas ouvert mes yeux débilement. Et bah, allez. Voilà, merci le jeu. Alors, du coup, on avait fait les trois premiers DLC de la première partie, en sachant qu'il y en a un que je n'ai pas terminé. Enfin, que je n'ai pas réussi à finir. Il se passe quoi? J'ai pas entendu. Winter ne sera pas là demain et ni la semaine prochaine. Puisqu'il doit faire un truc privé à partir de demain. Oui. Du coup, on est parti pour le quatrième pa la quatrième partie du DLC, NSB. Par un soir de tempête, il y a 3 ans, les Baker étaient une famille tout à fait ordinaire ce soir-là, alors que la pluie s'abat sur les vitres de la maison, la famille est attablée, prête à partager un moment paisible et convivial. Ils sont loin de celui de ceux qui les aident. Donc, du coup, il y aura pas d'avatar pendant facile 2 semaines. Voilà. Dû au passage de l'ouragan cette semaine, devrait cesser demain matin, alors que la tempête se déplace. Dans le golfe, les secours passent la côte au peigne fin pour retrouver un navire porté disparu. Plus de détails sur les recherches dans un instant. Mais d'abord, revenons sur les pluies records de ces derniers jours qui ont provoqué plusieurs inondations et laissé de nombreux habitants les pieds dans l'eau. Comme on peut le voir ici, la perturbation se déplace vers le nord-est en perdant de son intensité. D'ici demain matin, le temps devrait s'améliorer. La tempête a fait beaucoup de dégâts ici. Ils l'ont pas dit. D'accord, donc. J'incarne Zoé, j'imagine. Donc, au Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une motion pour le maintien des travailleurs humanitaires en Lettonie. Ouais. Comment va l'autre fille? Elle dort, la pauvre enfant. On n'a qu'à les garder ici quelques jours, au moins jusqu'à ce qu'on puisse les ramener en ville. Zoé, va chercher des vêtements propres dans la buanderie, tu veux? Oh. Elle est recouverte d'une sorte d'huile, ouais. Je ne sais pas quoi. Bon. On va lui donner des vêtements propres et un lit chaud. Mamie! Dans la chambre de Lucas. Oh merde, on peut pas la mettre ailleurs? Oh Lucas, commence pas, t'as plus besoin de cette chambre. J'ai toujours voulu avoir une auberge. Ton rêve se réalise, on dirait. Mais là au lit, je vais préparer de la soupe. Soir idéal pour une soupe, pas vrai? Pardon. Lucas? Anniversaire de mariage. Ah. Il y a des vêtements propres dans la buanderie.
Liste de courses, 4 œufs, 2 bacon, 3 laits, lessive, jack, nettoyant pour lunettes, sous-vêtements, Lucas, condensateur, clé USB, Zoé, crème de rasage. Hein? Allez, donne des vêtements propres à cette petite. Oui, maman. Bon, j'assume que la buanderie, c'est pas là. Vêtements propres. Et la chambre de Lucas, je sais absolument pas où elle est à partir d'ici. On assume qu'elle est par là. Là, c'est la salle de bain chelou. Ça c'est la salle de billard avec le bar, ça c'est la chambre de mamie. Mamie. On doit pouvoir accrocher quelque chose. Refermer une porte ouverte. Mais sérieusement ? Sérieusement, je viens d'avoir un succès pour avoir fermé une porte. Miskine. La chambre de Lucas. Tu peux la laver et lui donner des vêtements secs. Je vais au hangar à bateau, voir s'il est toujours à moitié inondé. Oui, papa. La chambre de Lucas. Avec sa chambre chelou. Il y a un trou dans le trophée. Gauche. J'ai pas envie de m'occuper de mamie. Ok petite, je vais te nettoyer ça. Ils sont à moi. Quoi? Bonasse. Oh putain. Papa? Y'a une panne de courant? Est-ce que la foudre est tombée? Les clous ont l'air mal enfoncés. Charmant. Quelqu'un a oublié de débarrasser. Ah non, c'est pas la chambre de mamie ça. Si, non, si, j'ai vu. Où est passée la gamine? C'était quoi ça? C'était mamie. Lucas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? C'est quoi ce bordel?
Pfeffer. Alors c'est bizarre, mais le DLC il me fait plus bader que le jeu en lui-même, que le jeu, vraiment le jeu de base. Affaire, réparer la fenêtre à étage, coller des planches de contreplaqué en attendant, appeler un réparateur plus tard. Le date d'anniversaire de Lucas, un outil électrique, demandez à Zoé. Vingt-cinquième anniversaire de mariage de Jacques et Marguerite. D'accord. Bon, j'annonce qu'il y a bientôt un streamer. C'est sûr et certain qu'il y a bientôt un streamer qui va me rentrer sur la mouille. Tu cherches avec papa, pas de question de la conduire sans sa permission. C'est toi, maman? Zoé, viens voir. Viens voir son don. Regarde tous les trésors que ma petite fille m'a donné. Maman! Non! Non! Embrasse-moi, chérie! Qu'est-ce que tu vois? Cours au garage! Je te trouve une corde! Dépêche-toi! Je vais lâcher, oui.
Chérie, je demande le divorce. J'arrive, papa. Oh bah là, ma grande... Le temps que tu t'actives, j'imagine que c'était déjà trop tard. La chambre de mamie. Ok, c'est fermé. Bien évidemment. Aucun moyen de m'enfuir. J'imagine. Qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Tu veux pas jouer avec ta nouvelle sœurette? Ah bah si. J'ai échoué. Ah mais attends, mais ils vont me faire revenir où? Ah. Je me tire d'ici. J'aime pas les faux jetons.
m'a appelée maman. N'est-ce pas mignon? Je veux pas monter. Est-ce que je puisse descendre et me casser de l'œuf? Oh genre. Oh, elle est revenue d'un coup. Oh, c'est dégueulasse. Je me tire d'ici. C'est qu'une orpheline, Zoé. On doit veiller sur elle. Et ta sœur? Allez, viens la rencontrer, Zoé. Non. Oui, oui, c'est ça. Elle est aussi adorable que Mamie. En fait, je sais pas à quel moment je peux y aller, quoi. C'est ça qui est chiant. J'ai l'impression qu'elle a pas de pattern. Tiens-moi, qu'est-ce que c'est? La madre, elle a pété une dorite. La mama, elle est falling. Tu veux pas monter pendant que je descends, putain de merde? Je m'en fous, ta gueule. Elle a clairement un pattern pour toi. Oh bon. Tu vas avoir une petite peur, Zoé. Ah, peut-être bien. Alors ça par contre c'est le bruit de Régine dans l'exorciste ça. Enfin de Regan je crois, je sais plus comment ça s'appelle en VO. Mais en français c'est Régine. Es-tu là? Non, y'a personne. Laissez-moi. Comme je dis toujours, la famille avant tout. Quelle
4, 4. Ah ! Et merde. Ah, j'ai le mauvais pattern, c'est une sauvagerie. Il est trop chiant son pattern. Faut que je me tire d'ici. Ouais mais tu m'emmerdes en fait grosse, tu sais pas courir. T'es maigre comme un clou, tu sais pas courir meuf, c'est une dinguerie. Tu vas avoir une petite peur, Zoé. Ah ta gueule. En fait, je sais pas quand je peux y aller, c'est chiant. Là, elle cherche. En fait, je sais pas si je dois passer par la porte ou pas, c'est ça le problème. Et la porte juste là. Allez, viens la rencontrer, Zoé. Et wesh, je dois aller où? Je dois passer par la porte en, la grande porte là? J'aime pas les fauchetons. Et wesh, il est full aléatoire son pattern. Zoé. Zoé. Ah, non, non.
Je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, non. N'approche pas. Laisse-la tranquille. Ne fais pas de mal à ma famille. Je comprends rien, maman. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, prends-la. Prends-la. Va-t'en. Ça va aller, maman. Je vais chercher de l'aide. Ah, la clé de la voiture, ok. Non. Putain. Dis-moi que c'était fait exprès. Oh les bâtards. Pourquoi tu fais ça? L'autre il le fout en plein milieu du passage. À quel moment j'ai le temps d'esquiver sa gifle, quoi? Quel bande d'enfoiré, quoi. À quel moment on doit s'attendre à ce que le vieux il soit là, quoi? Ah, les fils de poule! Rocco! Enfin, te voilà! La magie du scénario d'apprentissage. Ouais, non, mais non, mais au bout d'un moment, le Diane Retry, surtout sur un DLC, ça la fout mal, quoi. Oh la vue. Allez, ouvre-toi, saloperie. Allez, démarre. Ça pour ça. Yes. Ce n'est que l'un des dénouements possibles du combat de Zoé. Ah ! J'avais plusieurs possibilités ? Parfois, il suffit d'un pas dans la mauvaise direction pour changer son destin à tout jamais. Vous n'êtes pas parvenu à guider Zoé vers les bons choix. Pardon ? Il y a plusieurs fins possibles ?